Vous savez les filles, je me dois d'être honnête avec vous. Je suis la seule qualifiée pour ce poste. Toi là, tu te crois au carnaval ici? Regarde comment tu es habillée, tu as tout versé dehors. Je parie que où tu es assise là, tu n'as aucun diplôme. D'ailleurs, où est même ton dossier? Je te conseillerais d'aller faire le call parce que de passer le temps à donner tes fesses partout, partout. Dieu te voit. Et toi, avec ta peau multicolore, comment comptes-tu cacher ça quand il va falloir taper sur la machine? Tu es là assise avec tes grands airs. Je parie que tu es au moins le doctorat où tu es assise là. On a laissé l'école à vous autres. Passe le temps à discuter les petits travaux avec nous. Tu ferais mieux d'aller chercher un boulot qui te mérite. Écoutez, mademoiselle, votre dossier est bon, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je suis vraiment désolé. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. De rien, mademoiselle. Essayez de voir ailleurs et surtout beaucoup de courage, madame. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Où sont les autres? Elles ont toutes démissionné, monsieur. Par conséquent, je suis la seule candidate pour le poste. D'accord, suivez-moi. Alors, c'est toi la nouvelle secrétaire. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Jean et voilà, Mira. Moi, c'est Sophie, la secrétaire de direction. Secrétaire de direction. Ok. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Mademoiselle Mira, monsieur vous demande dans son bureau. Elle ressemble à une très grande sorcière. Bonjour, ma jolie. Tendre et belle collègue. Comment tu vas? Sophie, reprends-moi au moins. Tu ne sais pas que je suis peut-être l'homme de ta vie. Hein?
Pour quelle raison dois-je te répondre et de quel homme de ma vie tu parles? Une chose, déjà tous les jours tu arrives au boulot en retard. Quand tu me regardes, regarde-moi encore bien. On t'a dit que j'ai besoin d'un homme qui arrive toujours en retard à son boulot? Je parie que même dans ta propre vie tu es en retard. Bon, ça va, passe une bonne journée. Tu veux la femme, c'est pas avec la bouche. Gna 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 gna. Elle peut être l'âme de ta vie. On vous connaît déjà. Sophie, tiens, c'est pour toi. Sophie, de toute façon, tu as été dur avec moi ce matin. Tu acceptes mon chocolat. Sophie, je vois ton cœur. Quand tu prenais tes pieds pour descendre tous les escaliers pour aller acheter ce chocolat et remonter jusqu'ici me tendre, ça, je t'ai demandé quelque chose. Ou alors je t'ai envoyé. Mais Sophie, je pensais que tu allais refuser comme tu m'as refusé ce matin. Jean, toi c'est toi et le chocolat c'est le chocolat. Sophie, donc je ne suis pas bon. Je t'aurai un jour, Sophie. Je t'aurai. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Judith, monsieur le PD, je veux te voir dans son bureau. Finalement, toutes les femmes ici sont les arrachistes du boss. Elles se plaisent même dans un rôle de secrétaire particulier. Oui, monsieur. Tout de suite, boss. Toutes les femmes d'ici défilent devant moi tous les jours. Celui-là croit qu'il va aussi défiler là-bas. Il va malheureusement m'entendre passer. Sophie, s'il te plaît, tu peux me prêter ton stylo? C'est pas le moment, s'il te plaît. Ok. Oui, Sophie. J'aimerais que tu... Avant que vous ne me disiez quoi que Sophie. Ce soit... Mais... J'aimerais mettre... Quelque... Sophie! Tout d'abord, je n'aime pas les grands types. C'est-à-dire les mecs friqués, les grosses caisses et... Sophie! Je tiens vraiment à vous dire que vous n'êtes pas mon style, monsieur. Et que vous devez vous décourager. Déposez-moi ceci à la banque. Ah, monsieur. Donc, c'était pour déposer les papiers. Sortez de mon bureau. D'accord, boss. Thank you.
Merci, Seigneur. Sophie, tu as vu Mira? C'est qui encore celle-là? Tu me fais comprendre que je ne connais pas notre collègue Mira. Ah, celle qui sort avec le boss. Comment ça, elle sort avec le boss? Attends, tu ne savais pas. Réponds d'abord ma question. Oui, elle sort avec le boss. Quoi? Et elle n'a même pas honte. Est-ce que toutes les filles sont villageoses comme toi? Pardon? Non, je ne parle pas de toi, ma belle. C'est mieux pour toi. De toutes les façons, je ne sortirai jamais avec mon patron. Oui, bien sûr. Toutes les filles rêvent de sortir avec le patron. La preuve, tu m'as barré. Donc, je parie que toi aussi, tu as les vues sur le boss. Ce n'est pas complètement faux, Jean. Sauf que je ne mange jamais les restes d'une autre femme. Le boss, il est marié et ça ne me dit rien de bon. Imagine-toi un instant que sa femme vient le trouver avec l'une de ses prostituées. Ça sera la honte. Vous savez quoi? J'en ai déjà marre de vous deux. À cause de votre Congossa, tout le bâtiment entier est au courant que je sors avec le patron. Et puis quoi même? C'est nouveau? Suis-je la première? Je vais demander à ce qu'on vous vire. Attendez. Je crois que tu es viré. Et toi alors? Toi qui bavarde plus qu'une femme là. Je te préviens, je ne serai pas la seule à mourir. Écoute Sophie, je suis au courant de rien. Ce sera ta version contre la mienne. Ah bon? C'est ce qu'on verra. Jamais imaginé que Mira mettrait ses menaces à exécution. Elle a pourtant fait. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait que je suis la seule à être virée, pas toi aussi. Eh bien, je viens de me faire virer par une fille qui n'a aucun poste dans cette entreprise. Merci. C'est le second bureau du boss. C'est un titre, ça? Je peux aussi être le troisième bureau du boss. S'il te plaît, va-t'en. Je vais ranger mes affaires. Votre mari? Yeah, I'm talking of my husband. Votre mari, mon patron? Sophie, my husband. Monsieur le directeur? Oh. Ah, baby. I thought you weren't here, I've been here. Non, c'est juste que j'étais aux toilettes. Okay, I have a very, very good news for me. I'm just from the hospital. Really? Yeah, just go ahead and guess.
Baby, tu sais que je suis pas bien. Oh, just go ahead and try now. Bien, non, tu t'es pas. It's okay, but I'm not happy. Please, just try. There's no problem. Ah, oh, Sophie, t'es trop forte. Oh, 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 oh. Reviens par là. Tu comptes aller où comme ça? Je t'ai évité la honte de ta vie aujourd'hui. Tu as compris ce qu'elle a dit? Qu'elle revient de l'hôpital. Imagine-toi qu'elle soit enceinte. Dis-moi, quelle sera ta place? Bon, bref. Comme c'est toi qui as décidé de mon renvoi, tu vas encore gentiment aller voir le boss pour lui dire d'annuler mon renvoi. Sinon, je balance tout à la dame sur Facebook, partout. N'oublie pas une chose. Vos photos ensemble, je les ai. Allez, host. Du balai? C'est bon, ton boulot, tu peux le récupérer. Mais après, on l'a fermé. Yes, Sophie. Oh là là. Je vais bien, merci. Et vous? Pas comme vous. Ça va aller, monsieur. Mademoiselle, j'espère que vous êtes conscient du prix à payer pour rester dans cette entreprise. Pardon? Que je dois vous payer? Je vais être direct avec vous. C'est par rapport à l'incident qu'il y a eu avec ma femme. Ah, ça! Mais non, monsieur. Heureusement que j'étais là. J'ai tout géré, donc à présent, vous devez me remercier. Et j'accepte tout. Je pense que c'est déjà fait. Comment ça? Quand? Je veux dire où? Mademoiselle, vous avez toujours votre boulot. Et il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Ceci est mon entreprise. Donc, les prochaines fois, tâchez de vous mêler de ce qui vous regarde. Vous pouvez disposer. Mademoiselle, essayez de vous mettre un peu plus au travail. Vraiment que je peux être jalouse d'elle. S'il te plaît, Sophie. Je ne tolérerai aucune insulte de ta part. J'ai quand même le droit de partager ma table avec qui je veux. Sauf que Mira n'est pas le genre avec qui on souhaiterait être amie. Tu as déjà oublié qu'elle nous a menacés? Mais c'est du passé. En plus, je lui ai présenté mes excuses. Des excuses? Attends que je te raconte son dernier show. Arrête, Sophie.
Encore toi et le Congo, ça. Si ça peut te calmer, elle m'a rassuré qu'elle ne sortait pas avec le boss. Ce sont des rumeurs que tu as lancées. Et cette fois-ci, je ne vais pas participer à ça. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas participer à ça. Bonjour Sophie. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien. Et la famille? Je vous présente mes excuses monsieur, j'aurais pas dû poser cette question. J'aurais besoin du bilan de vente de la semaine dans mon bureau. Tout de suite. C'est comme si c'était fait monsieur. Tout de suite, tout de suite. Toujours en retard. Oui, le boss est déjà là. Parle moins fort, s'il te plaît. Non, mais Sophie, tu es quand même méchante. Hein? Comment ça, je suis méchante? Je ne fais que dire la vérité. Tu es toujours fâchée contre moi, tout simplement, parce que j'ai invité Mira à ma table, c'est ça? Oui. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est une arriviste. Écoute, Jean, je ne veux pas qu'elle profite de toi. Non, mais Sophie, j'ai du mal à te cerner. Attends, je vais arranger ça. Jean, c'est pour moi le paquet? Merci. Non, il est à moi. Sophie! Bref, laisse-moi belle. Avec moi, tu auras tout ce que tu voudras. Et vous deux là? Vous croyez à télé-novela, c'est... Dégagez devant mes yeux avec ça. Mais Sophie, je ne doute plus une seule seconde que... Sophie! Monsieur! Si je me fais encore gronder par le patron à cause de vous deux, elle particulièrement, je vais lui arracher les deux yeux. Et si tu t'y opposes, j'arrache pour toi aussi. Mademoiselle Sophie! Monsieur, j'arrive! Mais... Ah, les femmes. Et stop. Qu'est-ce qu'il lui prend? Sans doute la crise de la trentaine. Et dire que je t'intéressais à elle au début, mon Dieu. Mira? Oui. Tu m'aimes? Jusqu'à la folie. À qui tu écris là? À personne. Ok, mais c'est pas poli. J'ai insisté pour qu'on puisse manger ensemble et là tu ne me gères même plus. Sophie? Quoi? Ouais, Sophie. Ta réponse l'a fait fuir même le plus courageux des hommes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Jean? Ah, ma copine, c'est déjà à ce niveau. Sophie, tu avais raison. Mira ne m'aime pas. Elle veut juste abuser de moi. Ah bon? Tu n'étais pas au courant? Sophie, s'il te plaît, ne me juge pas. Je suis un homme, j'ai été faible et je l'avoue. Jean, je t'avais pourtant prévenu dès le départ. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Actuellement, ta tendre Dulcinée, ton ange, ta femme parfaite est dans le bureau du boss. Va voir si tu ne me crois pas, comme tu es Thomas. Vas-y, va voir.
Jean, vous venez avant moi dans mon bureau. Que puis-je faire pour vous? Désolé, monsieur. Je vais repasser plus tard. Ce n'est pas urgent. D'accord. Jean, s'il vous plaît. Ok. Tenez ça, faites-moi une comptabilité et rendez-moi compte le soir. Bien, monsieur. Merci. On peut continuer. Jean, attends, s'il te plaît. Feu de l'amour, saison 2. Mira, ne te dérange pas. J'ai compris. Ne t'inquiète pas pour moi. Jean, ce n'est pas ce que tu crois. Oh que si. Sophie m'a pourtant prévenu. Tu es en train de le séduire. Non! Oui, j'ai compris. Tu aimes les mecs friqués, aux grosses voitures. J'étais prêt à tout te donner, Mira. À tout. Jean, attends. Il est l'heure de rentrer. Désolée Sophie, mais j'ai encore du boulot. Depuis quand ça? Tu rentres souvent avant la fin de l'heure. En fait, je dois désormais faire des heures supplémentaires pour combler mes heures de travail. Le boss n'est pas très content du fait que j'arrive en retard toujours, tu vois. Je te l'ai toujours fait cette remarque. Mais bon, comme je suis la secrétaire la plus gentille et adorable, je vais te donner un coup de main. Dis-moi, que puis-je faire pour t'être utile? D'accord. Mais où est mon stylo? Je suis sûre que c'est Jean qui me l'a piqué ou Mira. Non, ça ne peut pas être Jean. Je suis sûre que c'est Mira. Déjà qu'elle vole le mari des gens. Combien de fois le stylo? Ah Jean, toujours en retard. Bonjour Sophie, tu parles toute seule maintenant? Non, au fait, je cherche mon stylo, tu l'as pas toi? Non. Mais bon, c'est pas grave, est-ce que tu peux me prêter le tien s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Tiens. Merci, il est maintenant à moi. Le stylo il coûte 100 francs, tu sais ça quand même? Jean, ça fait 2 mois qu'on nous a pas payé. 100 francs c'est tout un budget. Au fait, ça va? Tu m'as pas l'air en forme. Mira est là. Ah, encore le nom de cette bonne fille. Je croyais que vous êtes séparés après ce que tu as vu de tes propres yeux, Jean. Écoute, Sophie, c'est pas si simple. Je crois que tu es réellement amoureux de Mira. Quoi? Jean, c'est même vous que je cherchais. Dans mon bureau, tout de suite. Jean, je suis mécontent de vous. Non seulement vous venez en retard tous les jours, et maintenant vous courtisez toutes les femmes de l'entreprise. Ça manque de sérieux. En fait, monsieur, le souci c'est que j'habite loin. Et avec les embouteillages dans la ville, c'est pas du tout évident. C'est pas mon problème. Vous me devez plusieurs heures de travail. Alors, soit vous me faites des heures supplémentaires, soit vous êtes viré. Ok, monsieur, c'est compris. Vous pouvez disposer. Quoi encore? Il faut qu'on se parle. Tu dois t'éloigner de Jean. Non, je ne le ferai pas. Je vais te taper très mal. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que tu peux avoir tous les hommes que tu veux et les traiter comme bon te semble? Je peux avoir tous les hommes que je veux.
et les traiter comme je veux. Mira, tu as l'air d'être une fille légère. Je suis sûre que le poste que tu occupes, tu n'as pas le niveau pour. Tu es en train de m'insulter. Sérieusement. En fait, je comprends tout simplement que tu es jalouse de moi. Non, en fait, tu es amoureuse de Jean. C'est ça? Oui, je l'aime bien. Et beaucoup même d'ailleurs. Donc, ne t'approche plus de lui. C'est quelqu'un de bien. Et si tu tentes de t'en prendre à mon poste comme tu l'as fait la dernière fois, j'irai retrouver la femme du boss. Je vais tout lui raconter avec les preuves à l'appui. Je parie que ton forfait de petites faveurs va prendre fin dans cette entreprise. Sophie, Jean ne t'aimera jamais comme il m'aime moi. Même le patron m'aime. Ils m'aiment tous d'ailleurs. La preuve, regarde-toi, regarde-moi. C'est la lumière et l'obscurité. Jean, tu étais là. En fait, je suis en train de réaliser que je n'ai pas de chance. Je suis tombé amoureux de la mauvaise fille. Mais tu sais quoi? Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Allez, host. Du balai. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, tu sais. Cette fille me sort par les narines. Et je te l'avais pourtant prévenu dès le départ. Est-ce que tu l'aimes? Et toi, m'aimes-tu? Tu m'as promis que tu allais divorcer ton épouse pour moi. Là, tu fais. Tu penses que je vais t'attendre toute ma vie, c'est ça? Stop. J'ai le droit de sortir avec qui je veux. Stop! Tu peux faire une croix dessus. Tant que je serai en vie, tu seras à moi et à moi seul. Mademoiselle Sophie, vous avez vu l'heure? Pourtant, vous travaillez à la direction. En fait, monsieur, c'est que j'ai... Vous m'imprimerez tout ceci. Bouge-toi un peu! Ah, Jean, toi aussi tu es déjà là. On dirait que tout le monde est arrivé à l'heure aujourd'hui, à part moi. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu n'es pas au courant? Être au courant de quoi? Tu n'as pas reçu de mail? C'est quoi tout ce mystère? Dis-moi, on a enfin chassé Mira. Apparemment, toi aussi, tu es obsédé par cette fille. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire enfin. Donc, on avait une réunion d'urgence et c'est ça qui t'est dépassé à midi depuis le matin. Eh ben, jeune et jolie belle collègue, tu apprendras à lire tes mails. Bonjour à tous. J'espère que chacun d'entre vous a reçu le mail d'hier. Sauf moi, monsieur, je n'ai pas reçu de notification. Mademoiselle Sophie, contrôlez votre boîte mail. Et comme je suis sûr de vous avoir envoyé un message, ça vous fera moins 10 000 à la fin du mois. Monsieur, moins 10 000? Ah, c'est peu. 20 000 donc. Si j'ai tenu à ce que tout le monde soit là tôt, c'est parce que je suis fâché.
nos stats sont horriblement en baisse. Et je me rends compte que vous tous qui travaillez avec moi ici à la direction, aucun d'entre vous n'est concentré. Alors j'ai fait un bilan pour chacun. Sophie, Mira, Jean, celle-ci est pour vous. C'est une lettre de démission que vous signerez et me l'apporterez. C'est un neveu, n'est-ce pas? Jean, je ne sais pas de quoi tu parles, mais lâche ma main, tu me fais mal et va en paix. Alors là, mon vieux est à vraiment achevé, hein. Mais t'inquiète pas, je vais te venger. Non, Sophie, tu ne fais rien du tout. D'ailleurs, je songeais déjà à déposer ma lettre de démission. Ah! Tout ça à cause de la petite fille ici. Sophie, le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. Pour moi, cette citation ne veut rien dire. C'est normal. Venant de toi, ça ne me surprend pas.